Bonjour, je m'appelle Mehdi Nebbou, je suis comédien de profession et en l'occurrence en ce moment dans la série HPI et la saison 3 va bientôt sortir. On démarre sur une saison où Karadec culpabilise beaucoup d'avoir embrassé Morgane alors que sa compagne est à l'hôpital. Et après être passé pas loin de la mort. Donc beaucoup de culpabilité et par rapport à son manque d'intégrité, autant envers Morgane qu'envers sa compagne. Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un timing d'époque qui va bien aussi avec le personnage d'Audrey, qui est quand même une héroïne du quotidien, qui représente une classe sociale qui est peu représentée ou mal ou pas assez, et pour le coup avec beaucoup de joie, d'humour, de résilience, malgré les difficultés de la vie, les problèmes financiers. C'est vraiment un personnage qui donne de l'espoir. Je pense que ça pourrait, à mon avis, faire partie d'une des raisons pourquoi ça touche autant de gens. Ce personnage donne de l'espoir. Je pense aussi le fait qu'il n'y ait pas de cynisme dans HPI, aucun cynisme. Et je pense aussi que chaque personnage est profondément humain, peu importe sa fonction. Bah de continuer à être comme chien et chat, de s'aimer, de s'engueuler, de se réconcilier, de se pardonner. Voilà tout ce qui font nos relations humaines, quoi. Haut en couleur. Voilà. Après, ce qui est assez joyeux entre ces deux personnages, c'est que. Et ce qui marche plutôt bien dans les comédies, c'est le contraste, quoi. Dans un duo, plus vous avez de contraste, plus ils sont différents, plus il y a des ressorts de conflits et de comédies. Et c'est assez jouissif de les découvrir. Par contre, le challenge. Dans une série ou dans un duo de comédie, c'est comment ne pas, comment, en fait, c'est comment se renouveler, comment ne pas se répéter. Et ça, c'est un vrai challenge dans un couple, duo en général, mais de comédie particulièrement.